Déclaration des députés, député d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. En tant qu'enseignant, j'ai eu le privilège de mentorer et d'enseigner des étudiants. Et maintenant, j'ai la responsabilité de défendre leurs droits dans les écoles d'être enseignés. Le programme d'éducation sexuelle mis à jour devrait être enseigné au mois de septembre. Ils n'auront pas un programme qui sera mis à jour. Et le gouvernement a décidé que les droits des personnes homosexuelles et de la collectivité LGBTQ ne méritent pas d'être appuyés dans notre société. J'ai travaillé avec ceux qui luttent contre la traite des personnes et j'ai travaillé avec des experts dans le domaine qui tentent de lutter contre ce fléau et de défendre les droits des survivants. Et maintenant, nous avons un gouvernement qui veut abolir la notion du consentement. Dans le programme d'éducation sexuelle, de quoi s'agit-il avec le consentement? On permet d'avoir le consentement de nous suivre en ligne. Il y a des applications qui enregistrent ce que nous faisons en ligne aussi. D'enseigner le consentement est un aspect de protection. Il ne s'agit pas tout simplement de l'éducation sexuelle. On devrait enseigner aux jeunes les espaces personnels et on devrait renforcer le fait qu'on ne devrait pas donner des câlins si on ne veut pas le faire. Et tout le monde, tous les enfants devraient avoir le vocabulaire nécessaire pour parler de leur corps et de leurs sentiments et aussi de permettre de lutter contre la traite des personnes et d'enseigner les jeunes pour contrer ce fléau. Déclaration ministérielle, député d'Oakville. Merci. Je suis ravi de reconnaître une personne dévouée de notre collectivité d'Oakville le vendredi. Je l'ai félicité de la part du gouvernement pour le reconnaître. Vlada Sherlov. Madame Sharma est une bénévole dévouée avec la Fondation des hôpitaux depuis 2003 ainsi que d'autres organismes de la collectivité. Elle a travaillé d'un à un avec des patients et avec son soutien envers les patients. Elle a reçu un don de 46 000 $ pour son organisation et elle a pu financer un centre d'ophtalmologie pour l'hôpital d'Oakville. Ils offrent des soutiens nécessaires partout dans la collectivité. Ces bénévoles et les bénévoles ne sont pas payés parce qu'ils n'ont pas de valeur ajoutée, mais plutôt parce qu'on ne peut mettre de prix sur la valeur ajoutée qu'ils entraînent. Et je suis très ravi qu'elle fait partie de notre collectivité. Je voulais la reconnaître ici dans cette chambre. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député. Député Nicol Belt. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour rappeler au premier ministre de sa promesse qu'il a faite aux Ontariens. Le gouvernement de Doug Ford va trouver des efficacités sans couper aucun emploi. Il a dit que personne ne va perdre leur emploi. Il a fait cette promesse le 7 mai. Le 27 mai, le dernier débat, durant la campagne, il a refait encore une fois cette promesse. Mais maintenant, je voudrais qu'il s'en tienne à cette promesse. Health Science, dans le nord de Sudbury, c'est le centre qui permet de donner des soins à tous les patients dans le nord-est. C'est le centre sur lequel mes commettants dépendent. Ils vont supprimer une centaine de postes pour pouvoir répondre à leurs besoins économiques. Ils ne savent pas si les gens sont les prochains à perdre leur emploi. Ces coupures nuisent aux familles. Ce sont des emplois qui sont coupés. Des citoyens de Sudbury, de Nicol Belt, doivent avoir mieux. C'est une succession de coupures que les libéraux ont entamées et que les conservateurs continuent. M. Ford a dit qu'ils allaient trouver des efficacités sans supprimer un seul emploi lorsqu'il a dit. Est-ce que cela s'applique seulement au sud de la province? Parce qu'au nord, la situation continue de s'empirer. Député de Haldeman-Norfolk, cette fin de semaine, alors que les gens profitent de la journée de Simcoe,
c'est important de rendre hommage au premier non-gouverneur. Il est aussi membre du Parlement britannique à l'âge de 24 ans. Simcoe a fait partie de la guerre de la Révolution et en 1877, il a aussi participé dans une autre guerre. Il faisait partie des Rangers de la Reine. C'était un groupe d'élite de 400 personnes. Ils avaient des pratiques un peu non conformes et les Rangers luttaient avec Benedict Arnold en 1879, a épargné la vie de George Washington lui-même, le permettant de s'échapper. Simcoe a été tenu en tant que prisonnier de guerre par Benjamin Franklin le 17 septembre 1890. Il était le premier lieutenant-gouverneur de Upper Canada ou de Haut-Canada. Et il y a un monument en son honneur dans le sud-ouest sur les terrains de l'Assemblée. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole. Je suis Chris Glover. Je suis le député de Spadina, Fort York. Je voudrais remercier les gens de m'avoir fait confiance dans ma circonscription. Je voudrais aussi remercier ma famille et aussi tous les bénévoles qui ont donné des milliers d'heures pour que je puisse être ici. Avant, j'étais fiduciaire dans une commission scolaire et je l'ai fait pour défendre le système d'éducation publique de la privatisation lors de l'ancien gouvernement conservateur. En tant que fiduciaire, aussi, j'ai travaillé très fort pour la sécurité des vélos et de permettre aux étudiants avec des handicaps, vivant avec des handicaps, d'avoir plus d'occasions. En mars dernier, j'ai déposé une motion d'adopter une approche de santé publique envers la violence des armes de poing et de traiter des traumatismes, parce qu'avec toutes les fusillades qui ont lieu dans cette ville, il y a des traumatismes qui sont subis, de la colère, des troubles post-traumatiques. Et si on ne traite pas de ce traumatisme, ça va continuer d'alimenter le cycle de violence. J'en aurai plus à dire au niveau de la violence des armes à feu et j'ai hâte de pouvoir en débattre plus longuement plus tard. Je suis ravi de partager trois choses avec vous. Premièrement, je voudrais remercier sincèrement les gens d'Orléans de m'avoir fait confiance et de continuer de travailler pour notre collectivité. Il y a un projet sur lequel qui est très important que nous travaillons et je suis ravi de pouvoir être votre vie pour la réalisé à Orléans. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir les représenter à nouveau pour les quatre prochaines années. Also, I would like to share with the House that on June 30th, I hosted my fifth strawberry social. Le 30 juin, j'ai accueilli un strawberry social pour accueillir des aînés. Plus de 150 personnes se sont retrouvées pour partager un moment ensemble, profiter de la saison estivale, et je dois dire qu'il faisait très, très chaud cette journée-là, tout en dégustant des fraises locales. Et surtout pour souligner l'importance de célébrer le mois des aînés en juin. Finally, Minister, Mr. Speaker, et finalement, je voudrais inviter la collectivité d'Orléans de se joindre à moi et de se joindre à mon équipe lors de notre cinquième événement de dégustation de blé d'Inde sur l'île de Petrie le 14 août. J'ai hâte de vous voir. Merci de votre confiance. Merci beaucoup. Député de Niagara-Ouest, merci, M. le Président. Cette fin de semaine dernière, à Cullum, ils ont eu leur festival de l'été et on a fermé certaines rues dans le centre-ville. Ils se reconnaissent
ça a été reconnu en étant de, des plus grands festivals de l'Ontario. Il y a la cuisine, les mets de Niagara et tout le talent qui a été mis de l'avant. Il y a eu un visiteur, le premier ministre Ford, qui est venu. Le premier ministre a été accueilli chaudement. Il y a des gens qui sont venus prendre des photos avec le premier ministre et de le remercier du répit qu'il va amener avec lui. On a eu aussi l'occasion de remercier les premiers intervenants pour leur engagement envers la collectivité. Al Kaislin était là, le maire Dave Augustine aussi. Le fait que le premier ministre est venu à Niagara a démontré que l'engagement du gouvernement envers les ruralités. Et je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui reconnaît le riche patrimoine dans les petites collectivités de la province. Merci à tous ceux qui ont fait en sorte que cet événement ait du succès. J'accueille et j'invite tout le monde à venir profiter de cet événement l'année prochaine. Député d'Ottawa-Sud, merci, M. le Président. Je voudrais aborder un sujet qui est pertinent à la suite de l'événement qui a eu lieu, ou l'incident qui a eu lieu hier soir. C'est au sujet des premiers répondants. Alors qu'on a entendu les nouvelles, les premiers répondants se sont dépêchés sur les lieux sans égard envers leur santé physique et mentale. Ils le font quotidiennement, en fait, les premiers intervenants. Mais après la couverture médiatique, les tragédies, les premiers intervenants continuent de subir les séquelles physiques sont plus faciles de traiter, mais ceux qui sont mentaux et émotionnels durent beaucoup plus longtemps et sont moins visibles, et on n'en fait pas assez pour les aider. Je voudrais vous mentionner l'histoire de Norm Travison. Il vit à Ottawa-Sud, au centre, et il subit des effets des troubles post-traumatiques. Aujourd'hui, la CESPAT lui nie l'indemnisation. Et même si elle est appuyée, sa demande, par plusieurs intervenants de la santé et la CESPAT ont un surplus de plus de 35 milliards de dollars et remet des indemnités et des prestations au conseil d'administration. Je présume que tout le monde met en valeur et reconnaît l'importance des premiers intervenants, mais il s'agit maintenant de défendre leurs droits ici dans cette chambre. Déclaration de député, député de Carleton. Merci, Monsieur le Président. C'est avec un cœur très triste que je prends la parole ici aujourd'hui, comme plusieurs d'entre vous. J'ai été choqué et j'ai été attristé par la fusillade hier soir. Danforth est une des collectivités les plus vibrantes et diversifiées et la plus grande collectivité en Amérique du Nord qui est grecque. Des piétons hier soir faisaient comme tout le monde ferait dans cet endroit le soir. Afric Fayez a dit qu'il ne s'agit pas de ce qui se produit envers vous, mais comment on réagit. Et je voudrais réagir à ce geste insensé et de prendre le temps de célébrer cette collectivité. Je voudrais prendre quelques moments pour partager certains des souvenirs que j'ai de cette collectivité. Mon ami Constantino m'a présenté le Danforth pour la première fois en tant qu'étudiante universitaire. Elle travaillait dans une pâtisserie avec les meilleurs Spanakopita. J'ai pris des sushis aussi sur la rue et Messini's, qui a les meilleurs gyros. Monsieur le Président, je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier les premiers intervenants, les ambulanciers paramédicaux et les services incendie, les services de police pour tout ce qu'ils ont fait. Et je voudrais vous rappeler à vous tous que face à la tragédie, on devrait toujours réagir avec l'amour et en célébrant la diversité. Merci. Déclaration des députés, député de Halton. Merci, M. le Président.
Monsieur le Président, je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui défend les intérêts des petites entreprises et les entreprises de Milton sont enthousiasmées. La fin de semaine dernière, il y a eu un événement, un festival d'auto qui a vu des automobiles classiques et qui ont aussi profité de tout ce que Milton avait à offrir. J'ai eu aussi l'occasion d'avoir des réunions avec la Chambre de commerce et le président Scott McMahon, qui est un individu extraordinaire. Et j'ai eu une réunion extraordinaire. La Chambre est en train de défendre les droits des petites entreprises. Il y a 700 membres des petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup d'enthousiasme à Milton. Maintenant qu'il y a un gouvernement qui va permettre aux petites entreprises de créer des emplois et de faire en sorte que la vie soit plus abordable. Avec l'ancien gouvernement libéral des 15 dernières années, les petites et moyennes entreprises ont été accablées par la bureaucratie et des frais qui augmentaient continuellement, les taxes foncières et autres. Avec le gouvernement progressiste conservateur, les petites et moyennes entreprises sont très excités que nous sommes maintenant ouverts aux affaires pour les entreprises ainsi que pour tous les Ontariens. Cela conclut le temps que nous avions pour